Franz Clotet, un ancien footballeur, également coach en FOJ. Nous remarquons Lolande Gabion, vous voulez faire un petit parler avec nous, en aller. Oui, oui. Ah, Colon, je suis content que je suis dans la cour à Colon. C'est juste pour que je parle de mon bail qui a passé sur le terrain, qui n'est pas bon du tout. Et c'est l'inacceptable. Même comme ancien sportif et comme un entraîneur qui est actif, mais même je défends ça. Et jusqu'au bout, je défends ça. Au pays de ma vie, je défends ça. Parce que vous ne pouvez pas venir sur le terrain, il y a des centaines et des centaines de monde. Pour toilette, pour pissoir, on n'y est pas ouvert sur terre. Et moi, j'ai parlé ça avec le président de la Ligue là, il est d'accord, il m'a raison, et gérant, les gens qui gèrent le terrain, qui sont sur le gérant terrain, comprennent qu'ils viennent en face de moi, c'est illégal que je parle. Et moi, je dis ça, Colon, on connaît que ça fait longtemps que j'ai un livre au CAIS qui n'est pas représenté en rien, parce que si il n'a pas même en mesure pour équiper le papier et terrain, pour le quitter à jouer, c'est le fait que n'y a pas d'autorité encore. Je n'ai pas d'autorité encore. Et ceci, je m'ai demandé ça pour tous les sportifs mettre ensemble pour que ça soit fait là pour le suspendre. Je fais un petit clip mafioso pour le suspendre. Il faut que tu aies libéré pour que le monde joue au football, pour que nous disions non à la drogue, non à la violence, non à la prostitution, non à tout ça qui n'est pas bon dans le pays. Ça veut dire match América-Cavalier, tu as tout le monde sur le land de Gabion, porte toilette là, tu as été fermé. Fermé, porte toilette fermée, cadenassé, pas de rien. Ça veut dire que nous-mêmes qui jouons un rôle important dans la presse, les médias en ligne, il faut que nous dévoiler ça pour que ça ne soit pas répété encore. Parce que faut le Sud relance tout le monde. C'est ça que nous dit. Merci.